Pour mettre une barre au-dessus du texte en LibreOffice 6, sélectionnez du texte. Faire clic droit sur la sélection. Choisir caractère dans le menu contextuel. Cliquez sur caractère dans le menu secondaire. Cliquez sur l'onglet bordure. Cliquez sur la bordure supérieure de l'image. Réglez la largeur de la barre. Réglez le remplissage. Cliquez sur OK. Dans les manuscrits grecs anciens, les scribes indiquaient les abréviations par une barre suscrite au-dessus. Dans notre transcription, nous suscrivons la première de 4 abréviations. Voilà. Puis nous mettons le curseur dans le mot suscrit et nous cliquons sur le bouton « Cloner le formatage ». Et nous surlignons la deuxième abréviation, ce qui met en trait « Souscrit ». Autrement, nous cliquons deux fois sur le bouton « Cloner » et nous surlignons plusieurs abréviations. Pour arrêter de cloner, nous appuyons sur la touche « Échappe ».